bien salut à tous, c'est Lerco pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Resident Evil 0 et on attaque ensemble notre épisode numéro 26 et c'est visiblement, vraisemblablement, le dernier épisode de notre Let's Play ensemble. Petit rappel de ce qui s'est passé durant l'épisode numéro 25. Nous étions aperçus que l'homme en robe blanche était une représentation du docteur Marcus lorsqu'il était plus jeune. Représentation effectuée par la reine des sangsues qui avait pris possession du corps de Marcus après sa mort, commandité par Umbrella Corporation et assisté par Alba Wesker et William Birkin. Ça c'est du résumé les mecs. Donc je suis retourné à l'endroit où nous étions en fait la dernière fois. Et vous voyez quand même que j'ai pris de quoi tenir face à la reine. Y compris pour Billy d'ailleurs. Billy il va mettre plutôt les grenades incendiaires. Mais on va pas équiper les grosses armes de suite pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, le combat ne va pas commencer de suite. Vous allez voir pourquoi. Évidemment, on va passer ensemble la cinématique. Hein, histoire d'arriver directement au cœur du sujet, dans l'affrontement, le premier affrontement. Parce que comme tout boss qui se respecte dans Resident Evil, boss final qui se respecte dans Resident Evil, il y a deux affrontements. Sinon c'est pas marrant. Et j'ai planté, c'est parfait. Bien, donc nous y revoilà. J'ai réduit la qualité graphique parce que sinon je plantais non-stop. Donc là, c'est l'affrontement, on y va. Alors voyons voir, est-ce que... Ouais, ça va être short quand même là, mais... C'est faisable. Billy, il te reste combien de grenades? Ouais. Ça va pas être génial ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai la solution. Faut courir. Hey, ça c'est cool ça, ça c'est cool ça. Ça c'est très très cool ça. Alors Billy, est-ce qu'il te reste des munitions? Oui, il te reste une munition. Bon, vas-y, tu vas l'utiliser mon grand. Tu vas pas nous faire comme contre le proto-tyran. Hein? Vas-y, t'es prêt? Alors donc par contre Billy, tu sais, tu peux recharger aussi ton arme. Il sert à rien ce mec, hein. Définitivement. On l'a battu. Par contre, vu que en fait cette partie-là, je vous explique, j'avais déjà faite, mais ça avait planté juste après, je m'autorise une sauvegarde émulateur. Voilà, parce que c'est pas que ce bestiau, il est chiant à buter, mais quand même. Donc voilà. Le lance-grenade, il va servir à grand-chose puisqu'il est vide. Ok, donc bah Billy, déjà toi, tu vas prendre ceci, la clé du conduit, et Rebecca, tu vas prendre cela. À savoir la deuxième clé du conduit. C'est parfait. Ok, maintenant le conduit il est quelque part par là-bas techniquement. Oui, il est là, c'est parfait. Donc, toi tu te mets là. Toi tu te mets là. Ouais, bah vas-y. Donc la forme est un peu différente. Ok. On échange, c'est pas grave. Tac. Utiliser. Vous n'avez pas besoin pour l'instant. Voilà, merci quand même. Je me prends pas pour un teubé non plus. Ah, je vous jure quoi. Bref. Allez, c'est bon.
La porte s'ouvre et où va-t-on arriver? Dans une safe room. Je vous le dis sans souci, dans une safe room. Il y a ruban encreur, ouais. Il y a des munitions de 9 mm, ça c'est cool ça. Ah, il y avait deux chargeurs de 9 mm, ça c'est bon ça. Ce que je vais faire quand même, c'est je me suis permis une sauvegarde avec l'émulateur, je vais sauvegarder avec le ruban encreur. Et bah non, j'aurais pas dû puisque ça fait planter le jeu. Bon, eh bien, on se retrouve exactement là où je vous ai laissé et j'ai décidé de sauvegarder. 12 sauvegardes sur 25 épisodes, 26 épisodes même. Ça va, j'ai été relativement économe. Bon, par contre, les rubans encreurs, ils servent pas à grand chose, donc je peux les laisser. Il n'y a pas de souci, ça c'est bon. Je sais qu'il y a d'autres trucs à récupérer, putain de merde! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Grave, putain! Non mais là les mecs, voilà quoi, c'est... J'ai laissé le fusil à pompe à la maison mais c'est pas grave quoi, c'est la fiesta. Ok, bon. Becca, toi t'as quoi? T'as de la place pour encore un... Ouais. Pour encore un. On va prendre le kit de soins. Tac, très bien. Alors, si mes souvenirs sont exacts, l'affrontement final. Alors donc déjà, hein, oui. L'affrontement final. Ce sera pas façon le tyran dans Resident Evil Rebirth, tout ça, ce sera différent. Et donc, ouais. Alors, je me tâte en fait. Comment est-ce que je vais procéder? Je pense que je vais faire ça plutôt comme ça. Ouais, je vais faire ça comme ça. Bon, déjà, je pourrais très bien récupérer une. Ouais, c'est pas grave. J'espère juste que Rebecca pourra faire ce que je veux qu'elle fasse. Il y a un levier qui contrôle l'ascenseur, vous pourriez peut-être l'utiliser pour vous échapper. Activez l'ascenseur. Oui. Elle est pas contente la reine. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Repeat. Who activated the self-destruct system? Come on, can't this thing move any faster? Je pense que c'est Albert Wesker et William Birkin qui ont activé cette production. Après, je dis ça, je dis rien. Allez, dis-moi que ça va planter. Oula, elle est pas contente la reine. Shit. C'est une sangsue quand même, hein. C'est bizarre ce truc. Et j'ai planté. Eh bien, nous sommes face à la reine, là où je vous avais laissé tout à l'heure, là où ça avait planté. On va se décaler histoire 2 quand même. Ah oui, alors par contre, oui, ça c'est pas très malin de ma part, hein, oui. Bah oui, ma foi. Lâche-le! Billy, reviens! C'est pas que j'ai pas de munitions de 9 mm, mais j'ai besoin de Billy, là. Billy! Ramène-toi, du coup, la joie. Il me reste une balle 9 mm et j'ai la reine qui m'arrive sur la gueule. Ah non, c'est pas sur moi qu'elle est arrivée, c'est sur Billy. Ok, désolé mec. Ok, donc, voyons voir. Échanger, oui. Je te pique deux chargeurs. Toi d'ailleurs, tu vas équiper ça. Ça va être short, hein. Ça va être vraiment short.
y va aux 9 minutes quand même. Quand même, c'est le chapeau hein. Ah, et Billy peut encore prendre une mandale, ça va. Là par contre il faut que je le soigne le Billy. Vous voyez là le bras qui se lève là qui va faire à Rebecca. Salut. Moi je l'ai vu. Ah non, ça va, je pensais, mais en fait non, ça va. Oh, attention, révélation. Voilà, donc nous contrôlons Billy. Mais avant toute chose, si vous me permettez, disons la porte. Pour ouvrir l'héliport en cas d'urgence, suivre la procédure ci-dessous. Débloquer les verrouillages. Oh là, alors la pièce compte 4 mécanismes de verrouillage. Il faut les activer dans cet ordre. Sud-ouest, nord-ouest. Donc sud-ouest justement c'est là. Nord-ouest, sud-est et ouest. Tenez poigné de chaque mécanisme pour déverrouiller la porte. Ok. Alors, par contre, m'en veuillez pas, je fais une petite ellipse rapidement, je fais une sauvegarde de l'émulateur au cas où ça planterait, parce que j'aurais eu une dizaine depuis tout à l'heure. On est reparti, et vu que là, je ne contrôle que Billy, j'ai récupéré toutes les armes de Rebecca. Voilà, pour faire ça. Rebecca, elle est à poil. Allez, viens là, mon gros. Viens là, la petite sangsue de mes couilles. Viens là, c'est par là que ça se passe, c'est par là que ça se passe. Retourne-toi, saleté. C'est par là, reviens là. Viens là. Médor, viens là, ramène-toi. C'est par là, c'est bien, vas-y, continue, viens là. Viens me dire bonjour, viens me dire bonjour. C'est bien, vas-y, continue comme ça, mon grand. Continue. Je vais en profiter pour recharger mon arme, puisqu'elle est totalement vide, c'est cool. Quoique non, je vais carrément changer d'arme. Et de 1 sur 4. 1. C'est pas le truc le plus rapide, hein, mais bon. Ok, alors Rebecca, tu vas où là en fait déjà? Ok, en fait je l'ai ramené là où Rebecca devait aller. Alors Rebecca qui se tient la hanche, c'est pas une bonne idée ça. Allez Rebecca, bouge ton cul! Allez, non, c'est par là que ça se passe vraiment. Ouais, bah c'est bien, continue comme ça, Rebecca. Continue comme ça. C'est bien, vas-y, continue ta journée sur moi. Journée sur moi, c'est tout ce qui compte. Je peux pas sortir là, je suis bloqué. Je suis bloqué contre le mur. C'est pas grave. Alors ça par contre c'est moins cool. Ok. En mode j'ai rien senti quoi. Non. Je la laisse tranquille. Ouais remarque, c'est ça, va par là-bas, c'est bien. Vas-y Rebecca s'il te plaît. C'est par là que ça se passe. Eh hey, la grosse, retourne-toi putain. Retourne-toi. Eh merde. Retourne-toi la grosse. Il reste combien de balles là? Un chargeur et demi. Ça te charge. Allez, plus que 2 minutes pour le dernier. Viens là, eh oh. Ouais c'est bien, vas-y reste là. Viens là, reste là. Viens là, eh, je te parle là.
Gros tas, reviens, retourne-toi, je te parle. Gros tas, va. Viens là, c'est bien, vas-y, attaque-moi, c'est bien, vas-y. De toute façon, je sers à ça. C'est parfait. Non, mais là, par contre, tu me bloques, là. Yes, c'est bon. Ça, c'est du Magnum. Hey, Queenie! Feast on this! Douleur intense. Billy! Rebecca, hurry! Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. Le manoir Spencer. Excusez-moi. I guess it's time to say goodbye. Récupérer les plaques de quelqu'un, ça veut dire que la personne est morte. Pour ceux qui ne savent pas. Lieutenant Billy Cohen is dead. Voilà. Yeah, I'm just a zombie now. Thank you, Rebecca. Voilà qui conclut notre let's play sur Resident Evil Zero. Je sais plus si ça avait été dit dans le jeu, mais grosso modo. Le lieutenant Cohen avait été accusé à tort, et c'était ces hommes qui avaient tué 23 personnes parce que ils étaient arrivés dans. Je crois que ça avait été dit dans un épisode. Je me rappelle pas parce que mine de rien, ça fait quelques mois déjà qu'on est sur ce let's play, donc je me rappelle pas ce qui a été dit forcément. Franchement, c'est un jeu qui pour moi complète réellement Resident Evil Rebirth, enfin même le premier. À mes yeux, la série aurait pu s'arrêter là. Elle a continué. Et je me tâte réellement à faire les autres Resident Evil. Je sais pas du tout à quelle durée d'épisode on est actuellement. Parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec l'émulateur. Et c'est ce genre de soucis qui me décourage en fait à faire les autres jeux Resident Evil. Je verrai, essayer de trouver un émulateur peut-être plus stable. Je sais pas. Mais étant donné que là la rentrée approche très vite, hein, c'est la semaine prochaine, et que je vais rentrer en master IMHE, interaction micro-organisme haute environnement, je pense que
Il n'y aura pas de let's play pour l'instant à la suite de ce let's play-ci. Il y a Bioshock qui lui va continuer. Borderlands qui va reprendre lorsque le mode multijoueur sera de nouveau mis en place. Ça, je vous rassure. Mais par souci de temps et pour mes études, je vais éviter de me lancer dans un autre let's play à la suite de celui-ci. Enfin, vous comprendrez. Que dire de plus ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Pour moi, les jeux qui sont à la suite de Resident Evil Rebirth, donc le 2, le 3, le Code Veronica, sont des très bons jeux en soi, puisqu'ils respectent à peu près l'univers de Resident Evil. Mais ils ne sont pas nécessaires à l'histoire. C'est juste des additions à chaque fois. Enfin, dans Resident Evil 2, c'est le virus G qui est mis en avant. Dans le 3, c'est le parasite Nemesis qui est mis en avant. Dans Code Veronica, c'est le virus T Veronica qui signe aussi le grand retour d'Albert Wesker. Attention, gros spoil, mais c'est pas grave, tout le monde s'en tape. Le grand retour d'Albert Wesker. Et le nouvel objectif d'Albert Wesker, justement, à savoir récupérer cette souche de virus qui est plus importante, le T Veronica. Et le 4 qui annonce un nouveau type de parasite, Las Plagas, je crois que c'est la... Merde, j'ai le nom en anglais. C'est pas la peste, c'est un truc du genre, mais bref, pas grave. Et le 5 qui annonce l'Ouroboros avec la mort définitive d'Albert Wesker. 5 que je n'ai jamais fait d'ailleurs, puisque pour moi, déjà depuis le 4, c'était plus du Resident Evil. Mais ça, j'avais déjà abordé ça à la fin du premier Resident Evil, de Resident Evil Rebirth. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais galérer à faire le montage, vu que j'ai, sans déconner, une quinzaine de vidéos rush, et donc ça va être en mode puzzle pour faire cet épisode-ci. Mais en tout cas, j'espère que ce let's play et cette vidéo vous aura plu, c'est pour ça que je vous encourage à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir, surtout grâce à ça vous pourrez être tenu informé de l'actualité de la chaîne. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.